pour cette semaine. Contact, on va commencer par s'échauffer. Allez, on se bouge. Pas de Johanna pour cette semaine, elle a déclaré forfait pour cet exercice. Donc Lorraine m'a cherché, et ben Lorraine m'a trouvé. Je suis prête à me ridiculiser pour vous. Un seul exercice, trois niveaux de difficulté. En unipodale, je fais rebondir le ballon, main gauche, main droite, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Allez, venez avec moi, on passe contre le mur. La tête contre le ballon suisse, le ballon rouge qui pointe sur la pastille, on fait le backswing et on fait revenir dans la position d'impact le ballon sur la pastille. On tourne, on ouvre les hanches, position d'impact. Petite variante, le point de contact est sur le dos, on prend les angles, on prend la posture, même exercice, backswing et on retrouve la position d'impact avec le contact du ballon. On maintient bien les angles dans la zone de frappe. On enchaîne toujours sur le contact et donc le centrage. En unipodale, le pied arrière sur un milieu instable, on fait notre backswing, on maintient les angles, on va jusqu'à la traversée. Pensez à bien souffler. Exercice, l'exercice préféré de mes élèves, on reste sur une ligne, les pieds décalés, on fait la rotation le plus loin possible en gardant le genou dans l'axe de la ligne et on va jusqu'à la traversée, pareil, le plus loin possible en gardant le genou dans le même axe. Et pour faire plaisir à Johanna, on déverrouille le menton pour suivre vers la cible. On garde le bâton et on enchaîne. Équilibre et centrage. Vous êtes prêts à la choper comme ça? Le golf, c'est pour la vie.